C'est Rachel Tender, c'est toujours à l'éclipse, c'est moi-même le seul, l'unique stunner. Et là, je vous propose un nouveau battle. Un choc de génération. À ma droite, Donny S. J'ai déjà gagné, j'ai le vote des juges, c'est moi qui les ai nommés, bande de cons. C'est truqué, je sais, mais bon, on va. À ma gauche, Pen King Park, what the fuck. T'es drôle, toi. D'accord. Ok. Là maintenant, qui commence. C'est Pen qui commence. Premier round, commence par Pen. Ok. Donc M6, je vous présente Charlie et Lulu. Comme par hasard, moi je dois me taper ce petit cucu. Stun, tu me refais ça, je te parle même plus. Je préfère affronter M. Pokora à point en tutu. Ok, donc P-E-N, je m'intitule. Les toilettes recrutent, petite merde, postule. Mon flow a rempli toute la salle, ferme ton cul car à force de l'ouvrir, ça fait des bulles. J'ai appelé mes deux doigts tout bas. Si tu joues le biggie, pop, tout chat. De temps en temps, tout se transforme en one et tout blesse. Si ce chien aboie de trop, assis. Tout dresse. Avant le rap, Donny Soprano était tagger. Lâche le mic, retourne au grabouillis, mec, et tagger. Je vois beaucoup de lait, donc désolé si je suis vache. Mais sur ce drap blanqué le hip-hop, cousin, tu fais tâche. Ça aurait été dans le bus, je t'aurais sûrement laissé ma place. Vu que c'est pas le cas, bah, je t'efface. Oh, c'est de la merde. Time. Ok, s'il vous plaît, Donny S, premier round. Tu rêves d'être Lil Wayne, mais faire de l'autotune ne suffit pas. Tu rêverais d'être Drake, mais gars, t'as la face à Youssoupha. Et je sais que ça peut faire mal de se faire plier en quatre par un fat Baptou. Des fake carry, j'en vois partout. Dis-moi, pourquoi t'as fait We Love Haters partout? Puis comment avoir des haters en étant un homo, no name, anonyme? Ça, je me questionne. Puis j'ai pas besoin d'être Sergio Leone pour savoir ton nom, c'est personne. Freakzilla, l'année dernière, t'étais comme fou. T'étais à deux doigts de sortir le fusil. T'étais devant le palais de justice de Paris à crier comme un abruti. Fruity, aïe, Weezy. Tu kiffes le rap, US de merde, les clips de TV Base. L'Amérique, tu te donnes une trop belle image. T'es comme tous les connards de ton âge qui pensent que Châtelet Léal est un lieu de pèlerinage. Salfion, tu pulls font les chiottes et tu te choques à chaque mot. Ton idole Jay-Z, t'en as pas le flow, t'en as juste la sale face de chameau. On n'est pas sur le même bateau. Pourtant je crie au secours et lâche cool. T'es qu'un jeune con qui devrait pas lâcher lâche cool, qui pense que Cynic est un rappeur old school. Mais je sais que les gars comme toi diront qu'avoir à mon âge, avoir peu de public c'est sévère. Mais comme LL Cool G, je te rappellerai toi, ton public, il est juste imaginaire. Time. Ok. Deuxième round. Ben. A, B, C, tout de D. À ce qui paraît, ce garçon a sorti un CD et Farid. De nous prendre pour des poissons, a fait que ta face de con, personne n'a mordu à l'hameçon. Quand je me lance, y'a que ma mère qui peut m'arrêter. Au pire, si elle a du lait, y'a ta sœur de m'allaiter. En ce moment, mon petit frère apprend à compter. Et numéro 1 est le surnom de son aîné. Putain. J'aurais dû le ramener, comme ça il aurait su qu'avant son frère, y'a le zéro pointé. Oh. J'aime ta belle gueule. Puis-je la kimboliser? Ton flow est trop plat, mec, tu devrais bimboliser. Le rap devient mystique. T'es tu sais qui et moi Potter. Des reliques de ta mort, à Caroline, on sera l'auteur. Oh. On m'a dit Pen, t'affrontes Donny S. J'ai fait oh la blague. J'ai vite cramé le partenariat avec Vidéo Gag. Je pense que maintenant, je devrais rentrer dans le Guinness. Comme étant celui qui a frappé la plus grosse merde de ce business. Non mais non, non, prenez des notes. Car après lui, je prends tous les MC de la LESA. Par devant et derrière, je me ferai critiquer par LEFA. Time. Ok, ok. Ok, deuxième round. Yo, fuck. J'suis pas un rappeur homophobe et homophobe. J'vais pas parler de ton cul. Même s'il est comme la face B, that's my people. Tous les rappeurs de merde lui sont passés dessus. Pour battle, j'ai dû me taper tes textes de merde bien trop banal. Mon père m'a dit frappe pas les putes à terre, attends que le bolos se réarme.
À t'écouter, si tu faisais du foot, tu foutrais le sbeu L'Oréal. Si toi, t'es l'avenir du rap, bah moi, je veux une DeLorean. J'appelle le doc et comme Marty Fly, back in the days, en attendant que tu taises et que ton bag il se baisse. Tu vois les gimmicks des rappeurs, serais pas un fan des New Boys, toi, par hasard? Tu peux te rasseoir, le seul genre dont t'es proche, c'est celui de Thierry Hazard. Merde, je suis trop con, je fais des références aux années 80 à un monde de la tectonique. Le même genre de dude qui pense que Ice Cube est juste acteur de film comique. Si je dis que tu pues, c'est que tes rimes pas, tes rimes schlingues, ça sue, ça sort par tous les pores de ta peau. Tous tes tracks bling bling sont des fantasmes, tout comme le corps de ta go. Et sur ton lit superposé, comme Pac, comme Katy Perry, tu fais des rêves de teenager. Tu ferais mieux te foutre en l'air comme Brittany Murphy en avalant un tube de Pills bleu comme Heath Ledger. Oh. Oh. Time. Aïe. 3 neurones, pète. Si certains m'ont fait remarquer, pendant les teasers, tu parlais, tu disais beaucoup mon blaze. Encore une groupie qui parle de moi et se sent mortel. Putain. Donc, pendant les teasers, t'as beaucoup dit mon blaze. Ok. Donc, certains m'ont fait remarquer, tu disais beaucoup de mon place pendant les teasers de ce bordel. Encore une groupie qui parle de moi et se sent mortelle. Putain, est-ce que tu t'es inspiré de mes textes? Parce que ta mixtape franchement m'a laissé perplexe. Tu racontes tellement de merde que je pourrais te baquer avec mon anus. Putain, je m'inscris aux Apollo anonymes parce que là je peux plus te saquer. Check, j'ai bien aimé comment tu m'as dit, c'est parce que t'es pas un M, un WC, je laisse pisser. Ce battle entre toi et moi des liens à tisser. Vu que j'étais bien fuck, le featuring sera métissé. Oh. Donc, maintenant les yeux tu vas plisser. Après avoir péché, petit ton, on va prier. Notre peine qui est aux cieux, pardonne-moi d'avoir été aussi prétentieux. Grâce à toi, j'apprends l'art de la RUE. Et si tu sors une mixtape, ce sera ma BIBLE. Oh, c'est bien, papy ne fait pas de résistance. Le être mauvais en rap, c'est contagieux, donc moi je garde mes distances. Je suis venu avec mon pote Bibalou. Sors un dix de ta mixtape, on veut jouer au frisbee. Walou. Time. Time. Troisième round, dernière round. Tony S, s'il vous plaît, taisez-vous. T'es bitch, blanche, flasque, t'aimes pas. Mais c'est pas la peine de chialer comme un sale gamin. Elles s'en foutent que tu sois un sac à merde. Elles veulent juste un petit noir qui va avec leur sac à main. Puis t'es tellement maigre. T'aurais pu faire la pub d'Action contre la faim en Somalie. J'avais pas que j'affrontais la version longue d'Eddie Murphy ou le sosie black de Tom Hanks dans Philadelphie. Puis tu devrais gros, c'est tes gars qui t'ont dit que t'étais fort. Tu devrais beau, c'est tes gammes. T'es même pas capable de baiser des femmes, mon frère. Tu devrais déposer les armes. Stunner m'a dit, les gars qui ont rien à perdre, tu devrais t'en méfier. Mais les tuer, c'est mon métier. Puis t'as un dernier truc à perdre qui est ta virginité. Je suis un félon, mec. Toi, t'es pas un phénomène. C'est aussi vrai que je LOM. T'es de la génération internet. T'es de la génération internet. Comment tu comptes me kill à base de MDR et de LOL? On est bientôt Noël. Je sais que sur ta liste t'as demandé du swag et un flow. Moi comme le père Noël je suis gros. Et sur mon traîneau, des impacts de balles forment mon logo. Ça c'est pour les anciens. Ça c'est pour les anciens. Toi t'aurais mieux fait de m'éviter. Maintenant je vais t'évider. Je vais sortir les dossiers et dire que t'as connu Biggie en matant le film sur un DVD. Sache que pour moi, la défaite est impossible face à un monde qui a la testostérone d'un beach boy. Moi j'ai celle de Rick Ross. Et là si j'ai la beat molle, c'est que je viens de me faire piper par une de tes bitch moches. Oh shit. Yeah, bon, on départage pour le dernier, c'était le choc des générations, Pen et Donnie S. Bon, après, les vannes sur Châtelet, machin, intergénérationnel, elles étaient trop dangereuses. Et je pense que Donnie a eu l'avantage, mais bon, faut savoir qu'il a de la bouteille et que m'amène Pen encore toute la vie devant lui. Et je suis bien placé pour savoir qu'avec les années, on progresse. Donc, ma voix va à Donnie S, mais un gros big up à Pen. Et un gros big up à tout le monde pour le Rap Contenders, c'est que le début, le saga continue.
c'était serré, hein. Franchement, Donnie et Ben se sont bien affrontés, il y a eu des belles phases, des belles mises à l'amende. J'irais quand même, je pencherais sur Donnie quand même. À la fin, il a quand même été plus carré du début à la fin, plus professionnel. Même si Ben, franchement, il y a eu des phases qui étaient vraiment, vraiment intéressantes. J'ai kiffé. Donc voilà, Donnie. Allez, c'est toujours Golden avec ma man Bilal qui est là aussi et Richie Rich. Et donc moi j'ai voilà Donies et Penn. Moi j'ai, je trouve que Penn a mieux déchiré, donc moi je voterai pour Penn. Ah merde, ouais, ah, c'est Donies qui organise. Ouais, donc on vote pour Donies, voilà. Donies, c'était vachement bien, c'était beaucoup mieux que Penn. C'était génial. Parce que en plus, voilà, tu vois, il a pas trop. Ouais, Penn a pas trop assuré. Non, pour de vrai, les deux ont été bien. Et, moi j'ai une petite préférence pour Penn. Ouais, donc non, Donies. Qu'est-ce que t'en penses? Donies, toi? Non, mais aussi, il a eu son action, c'est bon. Non, mais en tout cas, bravo. Et continuez comme ça. End of the week, c'est ça l'événement? Ah non, merde, c'était pas ça. C'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine. Ciao. Ciao. Alors, pour le dernier clash, Penn, Donies, ma voix va automatiquement à Donies. Parce que déjà, franchement, tout ce qu'il a organisé, et en plus de ça, venir sur le terrain pour vraiment affronter un gars aussi, montrer qu'il a les couilles de le faire, et il y avait pas que ça, tu vois. Donc il a assuré, il avait les punchlines, il y avait un écart quand même. Voilà, l'autre s'est bien défendu aussi, Penn. Donc big up à lui, mais il y a encore une progression pour pouvoir passer un cap. Et voilà quoi, avec du travail, ça va le faire. Big up. En tout cas, très très bon, très très bonne organisation. Ok, ok, donc le battle qui a confronté Penn et Donies, très très lourd, très très dur, très très marrant. La punchline de la vanne à tout va. T'as la nouvelle école, t'as l'ancienne école. Il y a eu la chaîne qui a déraillé un moment pour Monsieur Penn. Donies, à un moment, j'ai trouvé un peu moins percutant. Franchement, ça va être très difficile parce que les deux sont bons. Tu peux donner sa langue au chat? Non, obligé de voter. Oui, bah oui, il va falloir. Ah, bordel. Bon, donne-moi une pièce, on va jouer ça plus une face. Non. On va dire que c'est Donies qui l'a emporté pour cette fois-ci. Ouais. Ok, c'est Rap Contender, on est de retour avec le vote du jury. Donc voilà. Et la victoire revient à mon gars Donies. Mon premier et dernier battle pendant les Rap Contenders. Maintenant, je vais juste organiser le truc, c'est tout. À moins que toi, petit frustré sur internet qui aime pas ma gueule, tu veuilles venir. Si tu veux venir, y a pas de souci. Je suis là, je t'enchaînerai. Ouais, allez, on se voit très très bientôt. Deuxième édition dès février. Restez connectés, faites tourner ça et vous faites du bruit. Ouais.